bienvenue sur Palmi ma pour la caille. Je dis à nous voulons parler ou de chiffres qui fait tomber là. À la vérité, chaque léon mois fini, toujours gagne un rapport qui sorti qui pour dit mais valeur job yo créé. C'est un indicateur assez important qui montrer dans qui sens pays a bougé. Est-ce que économiquement yo peut aller vers de l'avant? Est-ce qu'il a régressé? Eh bien, chiffre la tombé, pas oublier que nous avons commencé en mois de septembre, ça t'avait dit, chiffre la tombé pour mois d'août là, et c'est une véritable catastrophe. Donc, vous comprendre, et ça pourrait avoir des impacts assez négatifs, qui s'allient. Il y a des prévoir, en fait, en termes, pas oublier que les prévisions sont facteurs fondamentaux, et ils sont signes tout pour tout le monde qui a investi. Il y a des prévoir que, tu as une attente. Tu es capable de gagner 720 000 jobs qui t'es créé pour le mois d'août. 720 000, tu te prévois. Et combien créé, combien de jobs qui ajouté pour le mois d'août là? Eh bien, valeur job qui ajouté à c'est 235 000. Donc, au capable de comprendre ça, le dit, de 720 à 235. Donc, c'est une véritable déception, ça qui arrive. Il n'y a pas même un tiers de ça que tu prévois. Ça qui vient faire que taux d'un emploi maintenant justement eh bien et li a monté on dit les bagages arrivé sont mauvais indicateurs pour le président tout parce que pas besoin qu'on ait depuis job pas créé depuis économie a régressé donc c'est bilan tout comme ça tout les augmenter bagages a bougé et c'est bilan donc on dit mois d'août là c'est un mauvais bilan lié ça n'a rien les créations d'emploi une véritable déception. Et donc, un emploi à Madrid là qui passait de 5.2 à 5.4, toujours en estimation ça. Yo. La vérité, ça qui vient dans le mois d'août là, c'est en fait, de, en fait, soit en fait, nous avons quitté le mois d'août dans le septembre. Pas jamais gagné, c'est le plus mauvais résultat depuis le mois de janvier. Ok? Maintenant, qui ça qui explique ça? Il vient surtout avec la pérèse qui toujours gagne sous pandémie, notamment avec causé Delta variant. Donc, ça c'est un impact, nous sommes capables de dire de COVID-19 qui est augmenté. Parce que à la vérité, il était supposé un véritable recovery. Donc, c'est un rapport qui est très faible et qui, de toutes les façons, est politique. Et Federal Reserve là l'obligé changer lui et pas oublier que Federal Reserve là c'est lui qui a décidé qu'il est pour le pullback stimulus et un grand pile monde qui commence à dire couper stimulus couper en employment couper aide pour en employment on semble bagarre maintenant ça sont l'autre bagarre indicateur il montre que l'économie en beaucoup fin partie il faut comprendre bien il a dit que pour mois de septembre là il va prolonger $300 alors là à la lumière des indicateurs ça yo nous pensons que causer $300 pour un emploi maintenant, je t'ai supposé quitter lui là, par contre, tu comprends. Indicateur, ça va être capable de dire, nous pas qu'à éliminer complètement la notion de stimulus pour aider l'économie à reprendre un bli. Ok? Et le marché du travail, justement, ça vous comprend là. Marché du travail, là, pour moi, d'août là, il y a un petit break. Ça veut dire, les gens qui ont un business, ils disent, j'en vais aller là, je ne vais pas courir, mais tout comme moi, je vais investir comme ça. On garde de côté bagage, ça mène nous. Parce que je ne vais pas investir qui ton bon produit, et puis l'économie en fait, mais sur moi, je vais être la caille. Donc, ça veut dire, il y a un break par rapport avec ça. Ok? Donc, ultimately, variant Delta, l'essayons, li rappeler nous. Malheureusement, que pandémie, hein, les styles trouvés à l'avant-plan et les styles, y ont facteur cap contrôler et cap contrôler justement l'économie, hein, ok? Et maintenant, faut nous dire que et Biden justement t'es fait, t'es adressé, donné ça, que les constaté.
que c'est un résultat, on dit, bah, là, j'en ai là, qui vraiment déçu, c'est une véritable déception, et ça qui fait là. Et rapport à l'avenir, dans le moment que les États-Unis ont constaté, m'a rappelé, 150 000 cas, on dit nouveaux cas de COVID-19 chaque jour, qui justement provoquent inquiétude, hein, que l'économie est capable de camper. Dans fin année. Et Delta, c'est, on dit Delta, c'est vraiment explication avec ça, nous avons même là, rapport qui s'est passé là, va l'autre bagaille que Delta. Ok, ma constatation, je suis d'accord. Et donc, on a probablement que nous sommes loin, ou qu'on est pandémie en 2020, tout bagaille fermé, et puis nous commençons à préparer là. Nous commençons à préparer, donc, c'est pour rappeler nous que, recovery a, et ça encore à prendre du temps. Et donc son véritable retrait qui fait journée jeudi a et donné qui sorti et donné qui sorti pour moi doute là, et c'est un véritable retrait 235 en guise de 700 000 à comprendre. Et vous pouvez comprendre que déception. Ok. Maintenant, ça vous comprendre pour Federal Reserve là. Ok. Et donc, politique que le gain là, il n'y a pas. Enfin, je ne dis pas de changement que tu as gagné. Il dit quand même dit que Federal Reserve dit qu'il a fait recommandation pour ne pas gagner cause de stimulus. Alors là, et nous voulons dire que donner ça, c'est des indicateurs que yo capable d'envisager stimulus chèque. Nous bien dit oui. Gagner, parce que ça vous comprendre, c'est des données objectives. Gagner des arguments objectifs pour envisager stimulus chèque dans le moment que nous avons parlé là. Ok? Donc on dit que c'est un mois qui était vraiment slow. Donc là, il va regarder qui ça et mois de septembre. Mais Maison Blanche dit ça montre que l'urgent, beaucoup plus urgent pour capable gagner beaucoup plus monde qui pour vacciner. Et maintenant, il dit que il a pas intention pour dire Congrès a bail un short stimulus pour aider job go. Et Biden focus sous fait congrès a passé de préférence 3.5 trillions que le gagnant pour le capable booster économie. Et donc Biden cap dit nous fait progrès, mais nous pour co river côté économie ta supposé hier. Donc nous supposé continuer bataille contre Delta. Et donc ça avait dit Biden qui mettait accent sur agenda li. Nous connaissons que le gain 3.5 trillions et infrastructures. But nous connaissons que bagala pas facile pour lui et notamment avec Joe Manchin lui-même qui t'a demandé nous comme ça pour te prendre une pause. En plus bah ça étonné en pile démocrate. Joe Manchin dit bien sérieux pour une pause. Pour une pause. OK? Et donc voilà, maintenant ça vous comprenez tout, malgré ça, il dit que demande pour travailleurs toujours strong. Ok, ça sent l'autre facteur. Malgré le job report ça là, il dit demande pour travailleurs toujours strong. Ça veut dire que ça, il y a un pile côté qui cherche le monde. Ok, donc ça vous comprenez. Et on a remarqué par exemple dans ce semaine là, il y a un gros employeur qui vient dans le pays à Walmart, il dit déjà bail 15 dollars, il fait que la loi mette 1 dollar. Avec 16 dollars. Bon, 16 dollars, suivant ce que tu as dit, on ne doit pas dire, mais pour Florida, son pile bagalier. Ça veut dire, on bat toujours une bataille entre compagnies et tout pour attirer de monde. Donc, c'est ça pour nous comprendre. OK? Donc, voilà, guys, nous pensons que c'est important pour nous te parler de indice A. Et très tellement, monsieur, je vais avoir un impact sur le stock market là. Donc, nous pensons que c'est important pour nous te partager l'ensemble avec vous. Bye bye, tout le monde.